Alors, bonsoir à tous. 18h25, nous attendons tous les participants d'ici quelques minutes. Donc, ce soir, webinaire sur l'or, le pétrole et la mise en application avec les turbos IG, en partenariat donc avec et en coopération avec Joris Zana, analyste marché d'Eliafx. Alors, je ne sais pas si Joris, est-ce que vous m'entendez? Alors, bonsoir à tous, 18h30. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Joris est parmi nous? Son et image, ok, parfait pour. Merci. Merci pour votre confirmation. Est-ce que Joris est présent? Est-ce qu'il m'entend? On va peut-être attendre. Alors, Joris, je crois qu'il est connecté, mais je ne sais pas s'il m'entend. C'est dommage parce qu'on a pas mal de choses à dire ce soir sur le pétrole et sur l'or. Alors, attendez, je vais voir s'il est.
Est-ce que vous m'entendez? Allô, test. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mais je. OK pour le son. Merci. Mais alors, je n'arrive pas à voir Joris. Ça, c'est peut-être un petit problème. OK, d'accord. Et vous voyez. Alors, vous parlez à moi, hein, Rémi Guénassia et pas à Joris. Hein. On est d'accord. Là, vous m'entendez bien. D'accord, oui, parfait. Bon, est-ce qu'on a perdu Joris? Salut Rémi, est-ce que tu m'entends? Oui, Joris, tu m'entends? Parfait. Alors, ah voilà, ben parfait. Je pense qu'effectivement, je pensais que c'était de mon côté, mais on m'a confirmé que c'était bon. Donc, tout est résolu, tant mieux. Tant mieux, non, Et c'était moi, ça venait ah, de d'accord, c'est un parfait. paramètre à faire dans les réglages, mais c'est tout bon. D'accord, parfait. Eh bien, alors, je vais remettre la présentation, effectivement. Et on va pouvoir démarrer avec 5 petites minutes de retard. Désolé, mais on va, voilà, on va, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire ce soir. Donc, on est ravis de vous recevoir pour ce nouveau webinaire ce soir, donc sur l'or, le pétrole, et on mettra en application avec les turbos IG. Donc, avec Joris Zana, qui est analyste marché d'Eliafix, et moi-même, donc Rémi Guénassia, Premium Client Manager. Je m'occupe de nos clients qui sont actifs chez IG France, donc de les accompagner aussi au quotidien. Et ma mission aussi, c'est de leur faire découvrir ce nouveau produit, enfin, plus si nouveau que ça, puisque maintenant il a un peu plus d'un an, via les turbos. Et donc, voilà, une bonne occasion aujourd'hui de vous présenter ces turbos avec l'analyse aussi de Joris, qui vous permettra également d'avoir une perspective un peu de marché, de savoir où on en est sur les niveaux, et de mettre ça en application sur la plateforme. Donc, on fera ça dans un second temps. On va passer sur une partie un petit peu théorique, donc sur le turbo proprement dit, une explication assez générale du turbo. Puis on va passer avec Joris, je lui donnerai la main après sur ses graphes. Et ensuite, on repassera sur la plateforme pour la mise en application. On verra alors plutôt peut-être à la fin les questions. Si vous en avez au fur et à mesure, n'hésitez pas à les mettre peut-être dans les questions. Et puis on y répondra, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Donc si c'est bon pour tout le monde, eh bien on démarre. Avec bien sûr l'avertissement qui est de. C'est bon pour toi, Joris aussi? On est bon? Oui, tu m'entends Oui, bien? On je démarre. t'entends OK. nickel, je te Eh laisse bien, faire. parfait. Donc, avec cet avertissement usuel, hein, que je vous laisse lire, avec notamment les trois types de comptes, le compte risque limité, le compte non négatif et le compte professionnel. Voilà, on est autorisé dans de nombreux pays, notamment en Allemagne par la BaFin, qui est notre régulateur, et la CPR en France ou par la FCA au Royaume-Uni. Donc également, n'oubliez pas qu'IG, tout ce que l'on va faire, bien sûr, est à titre pédagogique, il n'y aura rien de, notamment sur la plateforme de conseil de trade, voilà, ça sera simplement
des recommandations, des niveaux, des graphiques et une mise en application de manière pédagogique. IG, je suis assez global après dans la présentation puisque je suppose qu'il y en a certains qui connaissent nos produits, d'autres qui les découvrent et d'autres qui ne connaissent pas du tout. Donc c'est pour ça que effectivement sur ce type de produit et sur la maison IG, on part un peu du début pour vous présenter tout ça. Donc IG, c'est un groupe international, IG Group, coté à la Bourse de Londres, au FTSE 250, près de 240 000 clients à travers le monde. Alors monsieur, il y a déjà une va me poser la question de savoir quelle est la différence entre un turbo et un CFD. On aura tout le temps de revenir dessus, mais vous allez voir notamment les différences qu'il peut y avoir. Rien que le fait que l'un turbo a un code ISIN et qu'il est coté sur une place de marché, alors qu'un CFD, vous n'avez pas par exemple de carnet d'ordre. Donc ça peut faire aussi la différence, il n'y a pas de place de marché. Donc voilà, tout ça, on pourra revenir au fur et à mesure. Mais je pense qu'on aura, vous aurez la réponse durant la présentation. Un leader donc mondial de l'investissement en ligne et bien sûr donc CFD, turbo, options, barrières. 45 ans d'expérience et à Paris donc depuis 12 ans. L'objectif de la présentation donc précisément aujourd'hui, ce sont les turbos. On fera la revue de marché avec Jory sur le pétrole et l'or. Peut-être qu'il y aura un petit bonus aussi argent, puisqu'on en parle pas mal, même si l'argent n'est pas encore proposé en turbo, mais ça serait un bon moyen également peut-être d'avoir deux, trois niveaux sur l'argent. Et puis l'application sur la plateforme directement. Donc le turbo. Les turbos sont des outils d'investissement listés sur un marché réglementé, vous permettant de passer des ordres sur une gamme de marché en maîtrisant votre effet de levier et votre risque sans avoir à acheter ou vendre l'actif sous-jacent. Voilà dans cette définition, notamment marché réglementé. Ça différencie totalement du CFD. Et puis, vous ne pouvez qu'acheter un turbo. Ces produits sont désactivés si le prix du knockout, qu'on appelle aussi la barrière désactivante, comme un stop qui est déjà fixé, le knockout est atteint. Vous choisissez vous-même le niveau du knockout. Il y en a plusieurs qui vous seront proposés. Et tous les frais sont compris dans le turbo. Vous n'avez pas notamment de coût fixe en termes de commission à l'achat et à la revente du turbo, tout sera compris dans ce turbo. Vous ne payez qu'à l'ouverture de la position. Ça se traite uniquement à l'achat. Là aussi, une différence avec le CFD où vous avez le CFD, c'est à l'achat ou à la vente. Mais vous avez un achat du call, donc à la hausse, ou achat du turbo put à la baisse. Et vous avez la garantie de ne pas perdre plus que le capital investi, puisque par définition, vous savez exactement ce que vous engagez sur votre risque d'un turbo. Voilà les caractéristiques d'un turbo. C'était le principe qui est arrivé un peu plus tard. Les avantages, c'est que vous allez avoir un choix assez important, notamment sur les indices, les matières premières, les devises. Ce qui va nous occuper ce soir, ce sont les matières premières. Donc, l'effet de levier, ça, c'est un avantage clair que vous allez avoir. Vous allez mobiliser une petite partie de l'exposition totale. Vous allez pouvoir choisir votre knockout, donc la désactivation, le clôturer à tout moment. La cotation 24 heures sur 24, donc également qui fait partie un petit peu aussi de ces bénéfices des turbos que vous n'êtes pas forcément, on va dire, à la concurrence, puisque vous pouvez rentrer, sortir dans le turbo à n'importe quel moment. Vous n'avez pas de frais supplémentaires. L'exécution du knockout, donc du KO seulement pendant les horaires d'ouverture du sous-jacent. Donc ça sera moins vrai pour le pétrole et l'or, puisqu'il y a une cotation quasi continue. Mais quand vous êtes sur indice, eh bien, le turbo est coté 24 heures sur 24, mais vous ne pouvez être désactivé que pendant les horaires de marché. Donc, si il y a une liquidité permanente la nuit, mais en tous les cas, la désactivation ne se fera que, ne pourra pas se faire la nuit. Cotation, puisque si le marché, par exemple, crache la nuit et revient, là, du coup, vous ne serez pas forcément, vous ne serez pas exécuté sur vos knockouts et il sera encore actif. La cotation est toujours en euros, donc là aussi, quand vous allez sur le pétrole ou l'or, il n'y a pas de change, de problème de change, puisque là, vous êtes uniquement sur de l'euro, et un accès au carnet d'or. Là aussi, grande différence avec le CFD, vous avez une place de marché, des cotations, un carnet d'ordre, avec la profondeur du marché. Et les inconvénients, voilà, il n'y en a qu'un, risque de perte en capital, c'est le risque lorsque vous allez sur les marchés ou en bourse. Le knockout, donc barrière désactivante,
ou le chaos, hein, tout simplement. C'est un seuil qui va désactiver votre turbo 24, il vaudra 0, mais il protège votre position comme un stop. Il est ajusté chaque jour pour intégrer le coût des de financement. Là aussi, comme je vous disais, il n'y a pas de coût supplémentaire. Mais en revanche, il n'y a pas d'échéance sur votre turbo. Mais la seule chose, c'est que ces frais de financement qui sont implicites, coûts de stockage et coûts autres, par exemple sur le pétrole, eh bien, ça va faire que la barrière va tous les soirs se relever. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être grave, mais simplement, les niveaux sont très faibles. On parle de quelques dixièmes de points en général. Donc, il va monter progressivement pour un call, pour un turbo call à la hausse. Et il va baisser pour, si vous êtes investi, sur un turbo put, donc à la baisse. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, donc call à la hausse et put à la baisse. Et vous déterminez votre knockout à l'ouverture. Le principe de cotation, c'est l'écart en réalité que le cours actuel et le niveau du knockout, plus une prime de risque, plus une prime de volatilité. Donc c'est ce qu'on appelle la prime de risque, hein, la volatilité, ce stop garanti. Quelles que soient les conditions de marché, vous serez exécuté sur un knockout. Si c'est le week-end et que le pétrole chute de 20%, bien, quel que soit le marché, le niveau de marché, la volatilité, vous serez assuré d'être exécuté. Tout ça, ça a un coût supplémentaire par rapport à la différence, en plus, qui se rajoute en plus de la différence. Vous aurez un multiplicateur, ça que je vous expliquerai, mais qui n'est pas forcément, qui va juste décimaliser en réalité le turbo pour être plus accessible. Donc, vous ne pouvez pas perdre plus que le montant payé, ça je vous l'ai dit à l'ouverture de la position. Et quand le KO est touché, votre turbo 24 vaut 0, il est désactivé. Si, bien sûr, le cours du sous-jacent n'est pas ouvert. Les marchés disponibles, donc indices, forex et matières premières. Alors, qu'est-ce qu'un turbo? On est toujours en plein dedans. Le knockout est touché, donc vous ouvrez votre position. Si le knockout est touché, hop, déclenchement donc du knockout, la position est clôturée. En revanche, lorsque le marché sous-jacent est fermé, là c'est peut-être plus aussi, on va parler voilà, des indices, si c'est désactivé pendant la nuit et qu'il est fermé, eh bien là, vous n'avez pas de déclenchement du knockout, même si votre cours après par la suite est revenu. Donc ça, la position est maintenue. Le knockout est seulement touché pendant l'ouverture du marché sous-jacent. Les frais de financement, ce qu'on disait sous forme de graphique, si vous êtes vous ouvrez votre position en J avec votre knockout, hop, eh bien, votre barrière va légèrement augmenter tous les soirs. Encore une fois, on ne parle pas d'un point ou 10 points, on parle de quelques dixièmes de points. Alors, si vous gardez ça sur 6 mois, il n'y a pas d'échéance, hein, mais ça, c'est un avantage. Mais en revanche, si vous le gardez pendant 6 mois, effectivement, peut-être que au knockout, il sera à quelques points au-dessus. Les frais de financement sont pris en compte dans les réajustements du knockout à 23 heures et à la hausse, le knockout donc va remonter de jour en jour, alors qu'à la différence, si on est à la baisse, eh bien, votre knockout va baisser de jour en jour. Voilà. Vous êtes un peu déjà désavantagé de quelques dixièmes de points tous les jours. L'effet de levier, cette définition qui est assez essentielle dans l'effet de levier à prendre en compte, c'est quoi l'effet de levier? C'est simplement une partie que vous allez immobiliser par rapport à l'exposition. En gros, vous avez quelque chose qui vaut 100, vous n'immobilisez que 10, vous n'avez que 10, pour quelque chose qui vaut 100. Eh bien, c'est la même chose. L'effet de levier va permettre d'investir en immobilisant une partie de la somme exposée, ce qu'on va appeler la valeur nominale. Et où on appelle ça aussi, enfin, ça c'est la somme exposée, c'est la valeur nominale. Et ce qu'on appelle la couverture, la marge ou encore la prime, c'est ce qu'on va, donc c'est comme ce que vous allez acheter, hein, la couverture de votre turbo. En fonction du sous-jacent, cette couverture peut être exprimée en pourcentage de la valeur nominale ou en valeur absolue. Si j'achète par exemple un turbo CAC 40, donc France 40, pardon, cotation du sous-jacent 5496, mon knockout est décidé. Alors, je termine l'exemple et j'ai une question. Le niveau de knockout 5379, eh bien le coût du turbo vaudra 1,22. Pourquoi? Le turbo est décimalisé, donc la différence est à peu près à peu près 120 points, et vous aurez un multiplicateur de 100, soit pour le calcul, donc 122 fois 100, 122 euros, enfin, hein, plutôt 122 points divisé par 100, ce qui fera un turbo à 1,22.
Votre valeur nominale du turbo est à 5 496 euros. Et donc, le levier par rapport à ça, puisque par rapport au multiplicateur, c'est 5 496 divisé par 122. Vous êtes à 44 de levier. Vous avez quelque chose qui vaut 122, pour lequel vous avez une exposition de 5 496. Donc, 44 fois plus. Monsieur Colucci, pardon, me dit que j'ai du mal à faire la différence avec les barrières. C'est un peu dans le même style, sauf que les barrières, effectivement, on est sur un produit de gré à gré. Effectivement, vous mettez aussi votre barrière de knockout de la même façon. Sauf que vous n'avez pas de carnet, vous ne travaillez pas dans un carnet, vous n'êtes pas sur une place de marché qui fait la liquidité. Voilà, là, on est sur le turbo, purement tel que certains peut-être déjà le connaissent. Et il y a aussi une différence, c'est que certains sont habitués au turbo et préfèrent cet aspect turbo. Et autre chose, c'est que parfois, vous pourriez avoir plus de levier sur, si vraiment le turbo, et ça, c'est là aussi l'avantage, et que certains apprécient, même si c'est un risque important, d'acheter son turbo, peut-être 30, 40, 50 centimes. Donc, avec des primes beaucoup moins plus faibles que les barrières, que les options barrières, et donc avec plus de levier. Ça aussi, ça peut être un avantage, ou à la différence, voire moins de levier. Mais en tous les cas, vous pourriez avoir plus de levier sur le turbo. Voilà pour, mais on est dans le même esprit effectivement de la barrière. Et puis cet aspect aussi, et bien des activations qui ne se fait pas la nuit. On est uniquement en horaire de marché si vous êtes par exemple sur les indices, donc entre 9h et 17h30. Ça aussi, voilà les différences. Qu'est-ce que le turbo toujours? Donc, vous trouvez l'effet de levier sur la plateforme. Ça, on ira tout à l'heure sur le levier. Donc, c'est marqué levier à lever et vous avez toutes les barrières de knockout à choisir et les prix à l'achat de vos turbos. Hop. Voilà pour la partie plutôt générale et aspect théorique du turbo. Je vais laisser maintenant la main à Joris. Est-ce que tu m'entends, Joris? Très bien. Parfait. Tu vas pouvoir prendre. Alors, il faut que je te désigne, c'est ça, pour prendre la main? C'est ça, en main, je peux changer directement. Alors, attends, hop. Est-ce que tu peux la prendre ou c'est moi qui te désigne du coup? Montrer mon écran. Voilà. Là, je pense que je vois ton écran. Ah. Parfait. Normalement, vous devez tous voir mon écran. Bonsoir à toutes et à tous. Ça marche. Ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire, cette fois-ci consacré aux matières premières. Donc, j'ai pour habitude de vous donner quelques pistes et une stratégie d'achat, une stratégie de vente sur l'actif. Dommage qu'on n'ait pas eu ce webinaire quelques jours plus tôt, étant donné qu'on a eu un beau signal technique d'achat lundi. Pour celles et ceux qui me suivent sur Twitter, j'évoquais justement ce fameux breakout de ce triangle-là. Donc, si on reprend le pétrole, eh bien, dans un premier temps, le pétrole est soutenu par, d'une part, le plan de relance aux États-Unis et d'autre part, les perspectives de reprise économique à venir. Aussi, on a eu la faiblesse du dollar qui a quand même bien soutenu les cours du pétrole. Toutefois, là, on est peut-être monté un peu vite et on pourrait avoir justement un retracement dans les prochains jours, voire prochaines semaines, puisqu'on arrive sur une zone technique un peu chaude, j'ai envie de dire. Alors, pour l'instant, force est de constater qu'on est quand même dans une belle dynamique haussière depuis le fameux creux qu'on a fait au mois d'avril. Et on évolue toujours sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Ici, on a vu un beau signal technique avec une consolidation dans un triangle technique avec un avalement et derrière, on enchaîne pour celles et ceux qui pratiquent les chandeliers japonais, et bien trois soldats blancs. Donc, un pattern de continuation de tendance, ce qui fut le cas. J'avais pour ma part un objectif aux alentours de 59, 50, voire 60 sur le pétrole. Bon, il nous manque encore quelques dollars, mais on y est presque. Toutefois, à partir de ce niveau, je commencerai à passer neutre, car on arrive sur, comme je vous le disais, une zone chaude. C'est cette fameuse oblique baissière, ici, vous voyez, qui passe par tous les plus hauts. Et on a aussi notre moyenne mobile 200 périodes. Donc là, pour l'instant, les prix,
travaille cette moyenne mobile 200 périodes et juste au-dessus de la tête, eh bien, on a cette fameuse oblique baissière qui vient un peu coiffer les prix. Donc, très clairement, ici, ça va être une zone qu'il va falloir surveiller pour un repli sur le pétrole. Bien entendu, on attendra un chandelier de retournement, un signal vendeur, mais ça pourrait coincer et on pourrait au moins avoir un repli. Pas sûr qu'on break dans un premier temps cette oblique, hein. On a quand même effectué un beau rallye sans presque aucun repli. Donc attention, faut pas qu'on aille trop vite trop, hein. Le marché pourrait quand même vite s'essouffler. Et ici, je considère qu'on est vraiment sur une zone qu'on pourrait commencer à travailler à la vente. Donc vraiment, c'est cette moyenne mobile 200 couplée à cette oblique baissière. Donc vraiment un niveau où on a tout qui converge, que ce soit les moyennes mobiles ou les droites de tendance chartistes. Derrière, on pourrait aussi former une divergence pour celles et ceux qui utilisent le RSI. Donc il ne faudrait pas qu'on monte trop, mais si on reste sur ces niveaux-là et qu'on commence à travailler un peu cette oblique, eh bien on pourrait très facilement aussi former et avoir ce signal technique avec une divergence baissière sur RSI, juste ici. Donc voilà pourquoi je commence à m'intéresser à cette zone. Il manquerait essentiellement un chandelier de retournement, et là on pourrait entamer pour avoir un retracement et pourquoi pas venir, je dirais, chercher dans un premier temps, si je prends mon Fibo et qu'on mesure la dernière vague de hausse, vraiment, voilà, à peu près les 50%. Moi j'aime bien aller chercher les 50%, donc si on va chercher à peu près les niveaux des 60 et qu'on monte sur ces niveaux-là, on pourrait avoir, si la divergence est validée, un retour sur les 56,15. Puis les 54,56. Et derrière, ce serait d'aller chercher la moyenne mobile 50. Donc là, très clairement, ce serait un scénario baissier à surveiller. Pour l'instant, la dynamique, elle, est fortement haussière. Vous voyez qu'on a des bougies flux, toujours pas de signal de retournement. Toutefois, comme je vous le disais, on approche près d'une grosse zone et j'estime que ici, voilà, ça pourrait commencer à. Le marché, en tout cas, aurait peut-être besoin de respirer et on pourrait avoir une correction. Je ne parle pas forcément d'un retournement de tendance, comme je vous le disais, le plan de relance US qui devrait arriver très rapidement et les perspectives actuelles de reprise économique, eh bien, soutiennent le cours du Brent et du WTI. Donc, difficile d'avoir un retournement de tendance, mais un repli ne serait pas à exclure, étant donné les niveaux actuels sur lesquels on se situe. Vous voyez ici, pareil, si je me mets en données mensuelles. Bon, ça correspond à la moyenne mobile 200 hebdomadaire, mais on a la moyenne mobile 50 aussi qui vient un peu faire obstacle au prix et les prix ont tendance quand même à rebondir dessus, comme ici, à travailler cette zone. Et donc, voilà pourquoi j'estime que c'est un niveau à surveiller. Il manquerait plus qu'un chandelier de retournement ou une divergence pour justement voilà, avoir une stratégie short et placer un stop. Si vous deviez placer un stop, eh bien, ce serait techniquement au-dessus, vous voyez, de cette belle zone de résistance qu'on a là. Voilà, aux alentours des 61, des 62, quelque chose comme ça. Concernant le Brent, le WTI, pardon. C'est exactement la même chose. On a à peu près la même configuration. Ici, vous voyez, on avait aussi ce bel avalement haussier, on consolidait. Pareil, on enchaîne sur les trois soldats blancs. Par contre, on n'a pas de résistance tout de suite au-dessus de la tête. Donc, on pourrait avoir une poursuite de la hausse. Toutefois, je me méfie puisque, effectivement, comparé au Brent, vous voyez qu'ici, eh bien, on a très clairement pulvérisé un peu la résistance qu'on avait. Et aussi la moyenne mobile 200 périodes. On faisait obstacle dessus, on a bien travaillé, et derrière, on a complètement pulvérisé cette zone, et là, on n'a pas de gros obstacle majeur, je dirais, tout de suite. Je note tout de même qu'on pourrait aussi tracer cette droite, et effectivement, on est pile poil dessus. Donc là, c'est vraiment le seul obstacle que je vois qui pourrait freiner cette hausse, c'est cette fameuse oblique. Mais encore une fois, si on se met en données mensuelles, vraiment, et qu'on filtre un peu l'actif, hop, que ce soit un peu plus clair. Alors, on a vraiment une très belle oblique qui passe par tous les points hauts depuis 2008. Et ce serait intéressant qu'on ait un nouveau point de contact juste ici, voilà, aux alentours de 60 aussi. Pareil, c'est une zone que je vais surveiller sur le WTI, puisque
À chaque fois qu'on est venu chercher cette oblique, derrière, on a quand même eu une belle dégringolade. Là, on a une belle zone de résistance ici en hebdomadaire qui est couplée aussi avec cette oblique. Donc là, très clairement, ça va être une zone à surveiller dans les prochaines semaines. Si on continue cette hausse, j'estime que ici, ça pourrait commencer à coincer. Et pareil, qu'on pourrait de nouveau avoir un repli, donc avec un stop loss placé juste au-dessus. Si on estime que la zone se situe aller vers les 60 $, si on arrive à les 61, mettre légèrement au-dessus de cette zone, vers les 63, 63,5, pour derrière aller chercher un retour sur la moyenne mobile 50. Et si on rebascule sur des unités de temps plus courtes, voilà, retourner pourquoi pas sur les 52, revenir chercher les 52,50 et la moyenne mobile 200. Donc là, pour l'instant, pas de signal de retournement, on n'a aucun signe d'essoufflement de ce marché-là, si ce n'est qu'on a que cette oblique-là qui est en train de un peu de freiner cette ascension, mais derrière, pareil, hein, si on a un franchissement, on devrait avoir une accélération pour aller chercher la fameuse oblique mensuelle couplée, comme je vous le disais, avec votre zone hebdomadaire. C'est vraiment, pour l'instant, un niveau à surveiller au cours des prochaines semaines. Se positionner à l'achat maintenant sur le pétrole, c'est peut-être un peu tard, dans le sens où la hausse semble limitée, hein, étant donné qu'on a déjà fait un sacré mouvement haussier, donc la hausse semble limitée. Toutefois, pour les plus patients, eh bien, si effectivement, comme ici, on a un signal de retournement, on pourrait avoir un repli assez conséquent sur le pétrole. Et si je bascule en données journalières, pareil, voilà ce que je vais surveiller aussi, c'est la formation en divergence qu'on est en train de faire. Pour l'instant, si j'enlève mes deux obliques et que je zoome un peu, vous voyez que ici, on est en train de faire une divergence baissière sur RSI. Donc cette dernière, bien entendu, n'est pas validée. Hein, pour rappel, une divergence baissière est validée soit si vous avez un beau chandelier de retournement assez solide, un avalement, une étoile du soir, voilà, quelque chose vraiment pas forcément un pendu ou une étoile filante, mais vraiment un chandelier assez puissant de retournement. Sinon, c'est d'attendre tout simplement que le RSI, ici, si imaginons on fait un top de marché et qu'on commence à corriger, eh bien que on appelle le creux qu'il y a entre les deux sommets le bruit, et donc d'attendre tout simplement un break. Et si vous avez un break ici, eh bien votre divergence est validée. Et là, vous pouvez rentrer en position. Donc, hein, les prix reflètent de toute façon le RSI. Donc, si on entame, donc certes, vous ratez une partie du mouvement, mais le signal lui est confirmé et la divergence est validée. Et derrière, vous pouvez au moins viser 50% de retracement de la dernière vague de hausse. Si je reprends justement ici, vous voyez qu'on en avait une belle de divergence lorsqu'on a fait le fameux creux au mois d'avril. Mois de mars même qu'on est dans un territoire négatif. Ici on avait une belle divergence et vous voyez que le signal technique a été donné hop, quand le RSI sortait de sa zone de surachat, de survente, pardon, et derrière on a eu une belle remontada. Donc ici ce sera le même principe, ce sera de surveiller cette divergence ou d'avoir tout simplement un chandelier de retournement assez puissant pour confirmer eh bien, que la tendance risque de se retourner, voire d'entamer un repli ou un mouvement correctif assez profond. Concernant le gold, maintenant, le gold, il ne se passe pas grand-chose. Très clairement, depuis début janvier, vous voyez, on fait le yo-yo. Donc, pareil, on va commencer à analyser toujours sur les unités de temps supérieures. Donc, on va commencer en weekly. On se rend compte de deux choses. La première, c'est que la tendance primaire, elle est haussière, très clairement, surtout depuis 2019. On est toujours sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc, on a une tendance primaire haussière, mais depuis le mois d'août, on a entamé une tendance secondaire baissière, à l'intérieur en plus d'un fameux bull flag, donc un drapeau. Ainsi, logiquement, la sortie de ce fameux drapeau, ici on s'est fait un bull trap d'ailleurs, mais la sortie de ce drapeau devrait conduire à une nouvelle jambe de hausse pour reconquérir les 1960 et les plus hauts historiques et pourquoi pas même accélérer en direction des 2300 si on reporte le mât, si on mesure l'objectif théorique, c'est quasiment 2300.
Ça, c'est pour une vision de long terme, en tout cas sur l'or, qu'il faudra garder en tête. Pour le moment, on n'en est pas là. Moi, ce qui va m'intéresser surtout sur le pétrole, si vous tradez le pétrole à court, le gold à court terme, ça va être de surveiller cette figure chartiste qu'on a eue aussi. On est dans deux figures chartistes. Comme je vous le disais, on a ce fameux bull flag, donc ce drapeau. Et derrière, si vous connaissez, on a aussi ce qu'on appelle une soucoupe. Et on se rend compte qu'on a une fameuse ligne de coup aux alentours de 1800. Ici, on avait une belle zone de résistance qui est devenue support. On peut appeler ça aussi une zone de polarité, mais qui fait aussi office de ligne de coup de cette figure. On est venu justement une première fois prendre appui sur les 1800, quasiment une deuxième fois. Donc, on est sur un gros niveau et j'estime que la tendance primaire pour le moment restera haussière tant que les prix évolueront tout simplement au-dessus des 1800, voire des 1750. Par contre, si on repasse très violemment sous les 1750, alors là, effectivement, on aura un retournement de tendance. Mais pour l'heure, faut garder en tête que la tendance primaire reste haussière sur l'or et c'est uniquement la tendance secondaire qui, elle, est baissière. Donc, moi, ce qui va m'intéresser sur le métal jaune, ça va être pourquoi pas essayer de se repositionner à l'achat proche de la moyenne mobile 50 et proche de la fameuse zone de support aux alentours des 1800. Vous voyez qu'à chaque fois, quand même, qu'on est venu chercher la moyenne mobile 50, les prix rebondissent bien dessus, ici, une fois, deux fois ici, trois fois. Donc là, pareil, ça va être un niveau à surveiller pour essayer de se repositionner au plus proche de la moyenne mobile 50. Pourquoi pas avoir de nouveau un excès sur la zone pour affiner cette prise de position et placer un stop loss sous la zone, en espérant avoir un retour sur la borne haute du canal, et derrière, si ça casse, eh bien tout simplement se laisser porter par le flux haussier et essayer d'accompagner le mouvement le plus loin possible. Donc ça, c'est l'analyse sur l'unité de temps hebdomadaire. Derrière, si on affine en données daily, très clairement, il ne se passe pas grand-chose. Comme je vous le disais, on fait le yo-yo. Vous voyez que la borne haute du canal ici, on s'est fait un beau bull trap. Malheureusement, on a quand même le dollar qui s'est renforcé ces derniers jours et c'est surtout la remontée des taux. La remontée des taux fragilise énormément l'once d'or. Et si vous regardez depuis le mois d'août, le taux US, eh bien, monte en flèche. Du moins, le taux US évolue dans un canal haussier, alors que l'once d'or, lui, évolue dans un canal baissier. Donc, ils évoluent à l'inverse. Donc, très important de surveiller aussi le taux, le 10 ans US, du moins les taux US, puisque ils évoluent à l'inverse entre le gold. Et donc, pour revenir sur la partie technique, on a un fameux range ici. Et je considère qu'il n'y a absolument rien à faire tant qu'on évolue sous la moyenne mobile 50 et sous la moyenne mobile 200 périodes. Pour moi, éventuellement, je considérerais qu'on aura un premier signal technique haussier si on parvient à s'extraire des 1875 dollars. Dans ce cas-là, pourquoi pas avec un stop placé aux alentours des 1823, se dire très bien, et si on a eu un bull trap, cette fois-ci, c'est la bonne, et essayer d'accompagner à long terme cette tendance à venir, étant donné qu'on est sur un bull flag et donc un drapeau de continuation de tendance. Par contre, si on affine vraiment en données 4 heures, et là pour les traders de court terme, eh bien on se rend compte tout simplement que on a potentiellement un range et que surtout on consolidait dans un triangle ascendant ici et qu'on vient de break par le bas. Donc là, très clairement, je m'attends à un retour au niveau des 1810. Certains y verront aussi même un double top. On est un peu entre un double top et un triangle ascendant. En tout cas, des figures qui plaident pour une baisse à venir et pas pour une hausse. Comme je vous le disais, en plus, on est limité avec la moyenne mobile 50, 200, la borne haute du canal. Donc là, passer à l'achat sur le gold maintenant, c'est un peu risqué vu tous les obstacles qu'on a au-dessus de la tête. Et très clairement, comme je vous le disais, si on analyse le graphique sur plusieurs unités de temps, qu'on passe en hebdomadaire, eh bien, si on retombe justement aux alentours des 1811, à peu près, ça nous permettrait d'aller chercher, si on reporte l'objectif théorique de ce triangle, voire de ce double top, ça nous permettrait d'aller chercher les 1811, ce qui correspond justement à peu près, vous voyez,
parfaitement à la moyenne mobile 50. Bon, encore une fois, l'objectif théorique est très pertinent puisqu'il correspond justement à ce niveau où les prix aiment bien rebondir. Donc là, très clairement, une stratégie baissière sur le gold serait à court terme de se dire très bien, on a potentiellement un double top qui vient d'être validé, voire une sortie de triangle. Donc soit je place un stop au milieu de la figure et au milieu du triangle, soit juste au-dessus. C'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre risque. Tout simplement pour deux raisons, car on peut très bien aussi partir dans un range, au final à plus court terme ici, vous voyez, faire un nouveau range, et en fait faire un triple top. D'où l'intérêt de bien placer son stop sur ce genre de figure, de ne pas mettre des stops trop serrés, trop près de la ligne de coup, sinon vous allez vous faire sortir, mais soit de se dire, tiens, ce qu'il me faudrait, ce serait un ratio au moins de 1 pour 2, donc soit vous placez votre stop au milieu de la figure, soit d'avoir un ratio de 1 pour 1. Et vous le placez au-dessus des mèches. Et dans ce cas-là, l'avantage et l'inconvénient, je dirais que l'avantage, c'est que si le marché décide finalement de faire un triple top, eh bien, celles et ceux qui ont placé le stop au milieu de la figure se font sortir, alors que les autres qui ont placé le stop au-dessus, eh bien, ont la possibilité d'avoir un triple top, et si le marché retombe, eh bien, ne se font pas sortir du marché. En revanche, le ratio, lui, reste moins bon. Effectivement, si la figure part d'un coup, eh bien celles et ceux qui ont placé un stop ici ont un ratio de gain pour perte de 2 pour 1. Alors que ici, si vous vous shortez ici avec un stop ici et que vous visez l'objectif théorique, ça vous fait un ratio de 1 pour 1. Donc après, c'est vous, en fonction de votre profil de risque et de votre management, d'adapter justement votre gestion du risque en fonction de votre trading. Donc là, pour ma part, plutôt un avis baissier à court terme sur le gold pour aller chercher les 1810, voire pourquoi pas faire un petit excès, comme je vous le disais, sur cette fameuse zone de support à 1800, donc 1810, allez, 1800, 1798. Et par contre, une fois qu'on aura atteint cette zone, essayez de chercher des signaux plutôt haussiers, acheteurs, pour essayer une nouvelle fois, eh bien, de se repositionner dans le sens du flux pour tenter de reconquérir, eh bien, d'une part la bande haute de ce canal et derrière espérer un break cette fois-ci et pas un fameux bull trap comme on a pu avoir ici pour justement repartir de plus belle. Donc voilà en gros les explications, enfin, mes analyses en tout cas que j'ai sur les différentes classes d'actifs. Pour résumer, ce serait plutôt sur le pétrole. Bien entendu, on a une belle tendance haussière assez forte. Toutefois, j'estime que la hausse est vraiment limitée. Hein. Quand on bascule sur les graphiques, sur les unités de temps supérieures, vous vous rendez compte tout de suite que, au-dessus de votre tête, vous avez des grosses zones. On n'est pas sur des niveaux de résistance horaires ni 4 heures. Là, on est sur des niveaux de résistance hebdomadaires, mensuels. Donc, bien entendu, plus on monte haut sur les unités de temps, plus il faut accorder de l'importance à ces niveaux clés et où le marché risque de buter. Donc, une hausse plutôt limitée et un niveau à travailler à la vente uniquement si les signaux que je vous ai évoqués avec un changement de retournement ou la divergence sont validés pour justement entamer une stratégie vendeuse. Et sur le gold, à court terme, plutôt vendeur pour essayer de reconquérir, enfin, pas reconquérir, mais retourner, avoir un retour sur la fameuse moyenne mobile 50, voire la fameuse zone ici qu'on est venu chercher une fois. Et derrière, à long terme, bien entendu, je reste quand même haussier sur l'or, puisque la faiblesse quand même du dollar et le soutien monétaire massif qu'on a depuis bientôt un an ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Les banques centrales vont continuer d'être très présentes, d'imprimer massivement de l'argent et de ce fait, des investisseurs qui vont quand même, face à une dépréciation du dollar assez importante en 2020, puisqu'il a quand même chuté de quasiment 7%, chercher à avoir des actifs en quelque sorte, on va dire, moins manipulés, puisque le gold existe en quantité quand même limitée, même si on y a d'énormes réserves d'or. Toutefois, le dollar, lui, on peut en imprimer à foison, il n'y a pas de limite. Donc, des investisseurs qui devraient quand même se tourner vers l'or cette année en tout cas, qui devraient quand même continuer
à louer une partie de leur liquidité sur cette classe d'actifs. Et enfin, pour terminer, Rémi voulait qu'on fasse un petit point sur l'argent, le silver. Effectivement, comme c'est un petit peu d'actualité, bon, peut-être qu'effectivement il y a ce phénomène en ce moment, mais c'est toujours bien, effectivement, même s'il n'est pas encore disponible en turbo, peut-être de voilà d'en parler, de voir quelques niveaux pour ceux qui seraient intéressés. Effectivement, c'est vrai qu'avec la frénésie acheteuse qu'on a eue avec ces fameux boursicoteurs, les Wall Street Bets sur AMC et GameStop, des rumeurs auraient circulé qu'ils auraient tenté de faire la même chose, ce qu'on appelle un short squeeze sur le silver. Et effectivement, on a eu quand même lundi à l'ouverture. En séance, on est allé taper les plus 11% et derrière, quand même, comme quoi, pas si facile de réaliser un short squeeze sur toutes les classes d'actifs, puisque finalement, on est tout de suite retombé. Sur le silver, dynamique haussière pour l'instant. Pareil, on va basculer en mensuel pour vous montrer encore la pertinence des zones. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'explique, enfin, qui est très important à comprendre, c'est les fameuses zones. Et on se rend compte tout de suite que sur les unités de temps supérieures, on a des zones hebdomadaires ou des zones mensuelles ici. Et vous voyez que le marché, ben, justement, travaille. Plus on monte haut sur les unités de temps, que ce soit en trimestriel, annuel, ou je considère que même mensuel, on est déjà sur une zone très importante, eh bien, ça risque de freiner la hausse. Et effectivement, sur le silver, on ne s'est pas arrêté n'importe où. Du moins en clôture de bougie, on fait des excès, mais en clôture de bougie, on est toujours sous ce fameux niveau des 28 dollars, voire 27. Donc là, très clairement, je passerai, en tout cas, je suis encore haussier sur le silver, mais j'estime qu'on aurait véritablement un nouveau signal technique haussier en cas de clôture au-dessus de cette zone pour aller chercher le prochain niveau qui se situe juste ici, à 35. Ensuite, on aurait 41 et derrière 42. Donc là, c'est si on affine, enfin, si on entame l'analyse en mensuel. Si on descend en hebdomadaire, bon, dynamique plutôt haussière, vous voyez qu'on fait l'espèce de même figure qu'on a sur le gold, à savoir cette fameuse soucoupe. Seulement que si on part du point haut, le gold, lui, est déjà tout en haut, alors que, effectivement, l'argent a du retard. Mais en tout cas, ça en prend la forme et on est en train d'entamer cette soucoupe. Et effectivement, la rupture de ce fameux niveau en clôture hebdomadaire de bougie, voire mensuelle, eh bien, ouvrirait la voie à une nouvelle vague de hausse pour aller chercher les niveaux que je viens de vous citer. Et encore une fois, si on affine une nouvelle fois en données daily, eh bien, on est tout simplement dans un range technique de consolidation. Soutenu. Des prix qui sont quand même soutenus par une droite de tendance haussière. Mais là, très clairement, on fait du ping-pong entre les deux bords. Et là, on a même eu un beau signal de retournement, puisqu'on a quasiment une étoile filante, voire même un doji. On pourrait même avoir une étoile du soir doji ici, avec ce gros pattern qu'on vient d'avoir ici. Vous voyez, gros gap, un espèce de doji, bougie flux, qui clôture dans le corps de la première bougie. Donc, on est quasiment même sur une étoile filante doji comme chandelier de retournement. Donc pour l'instant, prudence en tout cas sur le silver. Certes, ils ont tenté de faire un short squeeze une nouvelle fois sur cette classe d'actifs, mais ça n'a, en tout cas, ça ne semble pas fonctionner. Pour ma part, comme je vous le disais, j'attendrai au moins un retour sur l'oblique au niveau des 25-60. Pareil, voir si on n'a pas un chandelier de retournement, qu'on n'effectue pas un nouveau rebond pour être tenté une nouvelle fois. Mais sinon, je considère que le vrai signal technique haussier, ce sera tout simplement le breakout des anciens plus hauts en clôture de bougie hebdomadaire. Encore une fois, puisque en hebdomadaire, vous voyez qu'on fait souvent de la mèche, comme ici, mais on a en tout cas jamais, en tout cas en daily, on a réussi à clôturer au-dessus des 28-40, mais en hebdomadaire, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus de cette zone. D'où l'intérêt d'attendre au moins une clôture hebdomadaire pour vous positionner. Étant donné qu'on est sur une zone mensuelle, en fait. C'est que comme la résistance est très puissante et très importante, il est logique d'avoir une clôture
pour confirmer un breakout sur une unité de temps minimum hebdomadaire. Le mieux serait quand même mensuel, mais hebdomadaire, on voit très clairement qu'en hebdomadaire, on a fait pas mal de mèches, beaucoup d'excès haussiers, mais la clôture, elle, n'a jamais été confirmée. Donc, pour ma part, le signal technique sera donné en cas de breakout très clairement au-dessus des 29. Sinon, pour l'heure, eh bien, stratégie de trading range. Donc, ping-pong entre les deux bornes pour celles et ceux qui sont à l'aise avec cette stratégie. Tout simplement vendre la borne haute, acheter la borne basse, et pour les autres, eh bien, d'attendre tout simplement la rupture d'une des deux bornes qui devrait logiquement eh bien, donner le top départ du prochain mouvement directionnel. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense Bien, avoir fait un merci, tour Fabrice. d'horizon complet sur toutes les classes d'actifs. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez que je revienne sur le pétrole ou le gold pour d'autres explications, n'hésitez pas. Il y Sinon, eh avait bien, juste une Rémi. question, Joris, dans le chat. Il me semble que le double, alors, qui nous demande, il me semble que le WTI est plus tradé que le Brent. Pourquoi le Brent? Est-ce que tu as éventuellement la réponse? Alors, peut-être parce qu'aussi c'est des contrats futurs américains qui sont peut-être plus tradés, Entre autres, plus de c'est ce que volume. j'allais dire. Exactement. Pour moi, je vois exactement que ça, étant donné qu'il y a plus de volume, l'autre, c'est des contrats anglais. Mais ça, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il existe je dirais, des centaines de contrats sur le pétrole. Mais seulement que les plus connus, si vous allez voir un trader qui travaille chez Total, par exemple, un trader pétrole, eh bien, il va trader sur, je crois qu'il existe au moins une cinquantaine, voire des centaines de contrats différents sur le pétrole. Seulement que nous, ce qu'on regarde le plus, ce que les investisseurs regardent le plus, c'est le Brent et le WTI. Un qui est coté aux US et l'autre à Londres. Donc, effectivement, c'est ces deux contrats-là qui sont le plus regardés par les investisseurs. Mais sinon, il me semble qu'il existe vraiment une cinquantaine ou une centaine de contrats différents. Et c'est vrai qu'un trader, quelqu'un qui bossera en tout cas chez un gros groupe pétrolier, eh bien, devra manipuler plusieurs contrats différents sur le pétrole. Mais de manière générale, celui qui est, on va dire, le plus, celui où on a le plus accès, c'est le WTI et le Brent, tout simplement. D'accord. Autre question. Donc merci pour la précision WTI Brent. J'ai une autre question. Bonsoir. Quels sont les supports Dow Jones moyen terme? Alors, on n'est pas tellement dans le domaine ce soir. Et pour ça, peut-être que Joris, puisque monsieur demande quels sont les supports Dow Jones moyen terme, s'il vous plaît, un avis. Bon, on peut regarder très Allez, on peut rapidement. regarder quand Un même avis, on rapidement, va regarder quand même si ce n'est même. pas forcément le thème Non, de ce soir, mais. ça fait un petit Volontiers, tu peux bonus. rappeler peut-être où on peut voir des analyses, notamment via le site, je suppose, des l'IFX, peut-être Daily des. FX, vous pouvez me suivre sur Twitter, surtout, je publie pas mal de graphiques. Okay. Et sur le Dow Jones, et donc surtout sur les indices aussi. Donc sur le Dow Jones, eh bien, malgré la petite frayeur qu'on s'est faite la semaine dernière, justement avec les fameux Wall Street Bets, le Dow Jones reprend de la hauteur, tout simplement. Et fameux range. Je verrais bien un range sur le Dow Jones. Pour ma part, je suis quand même haussier, toujours. Mais je verrais bien ce range-là, pour l'instant, sur le Dow Jones. Donc moi, comment ma cartographie du Dow Jones, ça représente... Du moins, ça correspond à ça. On est dans un canal de moyen long terme. Et on est dans un range, surtout. Et donc là, on est pile poil au milieu du range. On a quand même clôturé au-dessus de la résistance. Et je verrais bien le Dow Jones, tout simplement, poursuivre son ascension pour aller chercher la borne haute. Et pourquoi pas avoir un gros range. Et encore une fois, hein, on pourrait très bien avoir une nouvelle rotation en direction de la borne basse, mais pour l'instant, en tout cas, je considère que la correction est terminée et que les indices devraient consolider dans un gros range technique. Pour ma part, retour sur les 31 250, et puis si on break, dans ce cas-là, je commencerai à chercher des ventes sur la borne haute de ce canal.
Mais pour le moment, en tout cas, ça reste vraiment très haussier le Dow Jones. Éventuellement, on avait cette oblique. Voilà, ici, on a quand même une belle oblique qui vient un peu freiner les prix. Donc, ça va être intéressant de surveiller. Potentiellement, un range technique, on a cette oblique-là qui, pareil, on a ce qu'on appelle un élargissement ascendant comme figure de continuation. Je n'ai pas le tracé correctement. Hop, voilà, juste ici. Donc là, on forme ce qu'on appelle un élargissement symétrique. Donc c'est un niveau intéressant, effectivement. Sur le Dow Jones, on est quand même monté un peu haut, un peu vite. Ici, on a un beau trou d'air à venir combler. Mais sinon, pour l'instant, en tout cas, ça reste haussier. Faut pas non plus se dire que la fin du monde va arriver. En tout cas, c'était pas pour tout de suite la semaine dernière. On est sur un gros niveau, mais si on break vraiment ce palier, pour moi, c'est direction les 31 240. Voilà ma stratégie. En tout cas, je suis plutôt haussier sur le Dow Jones, puisqu'avec l'indicateur, là, je ne l'ai pas mis, mais avec l'indicateur Ichimoku, j'ai même eu un signal technique haussier. Donc, pour l'instant, je reste haussier sur le Dow Jones. Dommage qu'on ait cette oblique qui pourrait vraiment freiner l'ascension, mais j'estime qu'on va évoluer dans un range. Et quelles que soient les annonces, les nouveaux confinements ou à venir, je vois mal l'indice déraper et effectuer un gros retournement, une grosse correction. En tout cas, pas tout de suite dans l'immédiat. Je m'attends à ce que ce gap-là soit comblé au cours de l'année, mais très clairement, pour l'instant, à moyen terme, voire même à court terme, un range entre 31 000 240 et 29 850. Et donc, on me demandait quels étaient les niveaux, quels sont les supports Dow Jones moyen terme. Eh bien, support pivot clé pour moi, c'est 29 840. Très clairement, si on repasse sous cette zone, là, c'est danger. On a pourquoi pas les 29 550. Vous voyez ici le précédent top. Mais derrière, voilà, sous ces deux zones-là, c'est danger et on irait chercher ce gap-là. En tout cas, ce serait ma stratégie. Mais par contre, tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 50, c'est range technique entre 31 240 et 29 850. Et stratégie de ping-pong. Et par contre, si on break les précédents plus hauts, là, je vise les 32 000, tout simplement pour aller chercher la borne haute de mon canal. Et à partir d'ici, par contre, je commencerai à m'intéresser à une stratégie vendeuse. Comment vous mettez les supports, s'il vous plaît? Eh bien, très simplement, pour résumer, encore une fois, je commence en mensuel. Je commence en mensuel mon graphique et je trace les niveaux en mensuel, tous les gros niveaux que je peux voir, toutes les mèches que je peux relier entre elles. Vous voyez, ici, je commence en mensuel et je relie à peu près là où j'ai une accumulation de mèches et de body. Et en gros, voilà comment je vais tracer mes zones. Ça, je vais en gros délimiter mes zones de prix. Ça va être mes zones d'intervention. Donc, c'est assez large, hein. Ça peut être une zone qui fait à peu près 200, voire 250 points. Donc, je commence en hebdomadaire. Je trace les grosses zones de prix en essayant de relier un maximum de mèches et de clôtures de bougies. Et ensuite, je bascule sur une unité de temps inférieure en hebdomadaire. Et j'effectue ce travail à chaque fois. Donc là, ça me permet d'avoir mes zones de prix. Là, je pourrais même en retracer une. Genre, normalement, je change de couleur. Hop, là, je sais que j'ai une zone hebdomadaire ici. Et ainsi de suite. Là, j'ai pas mal d'accumulation de mèches juste ici. Mais là, on est plus sur un support daily. Et hop, je bascule encore sur une unité de temps inférieure. Et effectivement, j'essaye de relier un maximum de points de contact entre eux. Mais je démarre toujours sur une unité de temps supérieure, voire même du trimestriel, pour tracer mes zones. Et ensuite, j'affine, 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 et ça me permet de savoir quelle zone va poser problème au marché ou sur quelle zone le marché va rebondir. Et bien sûr, si c'est une zone daily ou une zone 4 heures, j'accorderai moins d'importance, comme je vous le disais, comme on a pu le voir sur l'argent métal, sur la résistance actuelle où on était, ce qui est une zone mensuelle. Et effectivement, ça fait quand même depuis le mois d'août qu'on n'arrive pas à la franchir. Mais encore une fois, c'est une zone de résistance mensuelle. Donc, plus on monte haut dans les unités de temps, plus vous devez accorder de l'importance
à vos zones techniques. Et je vous invite vraiment à travailler les zones, car c'est une des clés du succès dans votre trading. Cette stratégie est-elle valable en intraday? Bien sûr, complètement. Du coup, vous descendez, vous ajustez votre stratégie, vous la mettez en. Si vous êtes sur du daily, vous descendez, vous faites sur du. Vous tracez des zones, ce qu'on appelle, mais si vous faites du scalping, dans ce cas-là, sur des unités de temps en 4 heures, en 1 heure et en 15 minutes. Et la logique restera la même. Si votre marché rebondit ou casse un support 15 minutes, forcément, ce sera plus facile d'enfoncer ce niveau de support ou de le casser qu'un niveau de support ou de résistance en 4 heures, ainsi de suite. Et plus vous montez haut sur les unités de temps, plus le marché, généralement, va travailler ce niveau, va consolider sur ce niveau-là, et ainsi de suite. Mais sinon, en soi, la logique reste la même. Après, vous devez adapter vos niveaux de zone. Bien entendu, vous devez tracer toutes vos zones, et après l'adapter si vous êtes soit un trader swing va plutôt regarder les zones mensuelles, hebdomadaires, daily. Un trader qui fait de l'intraday va regarder les zones hebdomadaires, daily, 4 heures. Et à l'inverse, quelqu'un qui fait du scalping va surtout regarder les niveaux de prix journaliers, 4 heures, 1 heure, et je dirais même pourquoi pas 15 minutes. Ok, bah merci Joris. On va pouvoir peut-être continuer alors sur les turbos. Du coup, c'est bon Je te pour toi laisse Joris? reprendre la main, Ouais? effectivement, si tu veux mettre en place, expliquer un Tout est peu les bon pour toi, c'est stratégies. bon? T'avais, Tout est bon. voilà, ok. Normalement, vous allez revoir mon écran donc sur la plateforme. Et donc, si Joris, donc pour ces niveaux, et donc pour ce qui nous intéresse ce soir, plutôt le pétrole et l'or, donc on va aller, je pense, directement. Hop, bon, il y a une présentation, mais on va aller directement en réalité sur la plateforme. Ça sera beaucoup plus simple pour que tout le monde puisse. Hop. Voilà, bon, ce que je vais faire exactement sur la plateforme, donc je vais aller directement sur la plateforme. Tac. J'y arrive normalement. Si ça veut bien marcher. Voilà, normalement la plateforme est là. Voilà, donc plateforme IG. Vous allez pouvoir également directement retrouver plein d'informations, enfin tout ce qui concerne les turbos ici, avec les marchés disponibles également, rubrique par marché, compte de démonstration, tout ce qui est formation. Voilà, vous aurez toutes les informations sur notre site, notamment pour faire, si vous souhaitez, également un compte. Test. Allez, on va se connecter donc ici à droite avec l'identifiant mot de passe. Vous pouvez tout à fait, peut-être vous en avez déjà sur votre compte réel ou votre compte de démonstration et je vais me connecter. J'arrive donc sur la partie, eh bien, l'interface IG dans ma IG où vous allez avoir le compte CFD, le compte barrière option et puis le compte turbo si vous souhaitez. Vous avez une rubrique, hein, si vous n'avez pas encore les comptes turbo et que vous êtes déjà client chez nous, vous avez une rubrique ajouter un compte et il va vous proposer plusieurs choix. Voilà pour l'accès donc Turbo 24. Vous cliquez sur accès plateforme et vous arrivez sur l'interface sur laquelle d'ailleurs j'ai un peu travaillé déjà avant. Donc après vous pouvez tout à fait bouger toutes les cases. Donc normalement vous devriez bien voir si ça prend tout en compte mon écran. Notamment vous avez trois sortes d'actifs qui sont proposés ici les indices. En Turbo 24, le Forex ici et les matières premières. Donc, ce qui va nous concerner ce soir, trois matières premières, le pétrole brut léger, le Brent et l'or. J'ai ajouté à l'espace de travail, voilà, ajout à espace de travail et ça m'a mis en fait une fenêtre ici. Vous pouvez déplacer et réorganiser votre plateforme comme vous le souhaitez également en baissant, en fermant ou même si vous souhaitez avoir que des onglets, vous remettez votre onglet ici. Voilà, ça elle est assez intuitive et notamment vous pouvez la manipuler un petit peu comme vous souhaitez. Une fois qu'on a ça, eh bien vous allez avoir donc en vrai normalement lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous avez aucun des graphiques et vous allez avoir directement, eh bien si vous cliquez donc sur le brut, par exemple là je parle donc du brut ici, en cliquant directement avec l'échéance de mars 2021. Et puis, vous allez avoir le ticket
pour passer vos ordres directement sur vos turbos. Vous avez donc la possibilité soit d'être long, ce qu'on appelle long, c'est acheteur, à l'achat à la hausse, pardon, et short à la baisse. Donc, vous allez d'abord choisir un sens pour lequel vous allez consulter la liste des turbos. Alors, si Joris, j'ai bien suivi, tu restes plutôt quand même haussier à très court, à court terme, c'est ça? Voilà, si, exactement. Aussi à court terme, une hausse quand même limitée. D'accord. Mais bon, pour l'instant, de toute façon, graphiquement, comme vous avez pu le voir, on n'a pas de signal de retournement, donc plutôt haussier. Mais d'accord, pourquoi pas la stratégie vendeuse, comme je disais, aux alentours des 60, si tu trouves un turbo short. Donc tu préfères un turbo, parce que là, on pourrait très bien se mettre haussier, rentrer maintenant, donc en position avec un turbo long, et éventuellement aller chercher, mettre un stop assez proche. Si pour aller chercher les 60, exactement. Pourquoi pas mettre un turbo long pour aller chercher les 60, voilà, et arriver au niveau des 60, commencer plutôt à chercher un turbo short avec une barrière au-dessus des 61 à peu près pour espérer un repli de marché. Alors ce que je vous propose déjà effectivement, donc, c'est déjà qu'on se base sur un turbo long, donc on va l'acheter en étant acheteur et en mettant un niveau de stop s'il y a un retournement du marché, alors peut-être pas aussi proche puisqu'on est à 55,88, vous voyez, sur le pétrole actuellement. J'ai plusieurs ici knockout donc, qui me sont proposés. Le levier dont je vous parlais tout à l'heure, le levier dont, qui va de 164, donc là aussi, il y avait une différence, vous avez vu avec les barrières, pour répondre à la question de tout à l'heure, on a des niveaux de 164 de levier, encore plus importants que les options barrières. Et puis, on descend de plus en plus, plus forcément, on va s'éloigner de nos knockout, de notre barrière désactivante. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de suivre un peu là, une stratégie éventuellement, encore une fois, totalement pédagogique, mais de se mettre acheteur et en mettant un stop plutôt pas trop éloigné, par exemple 54,90. Vous voyez qu'en cliquant, donc vous avez aussi le prix de ces options, ici, de ces options, pardon, de ces turbos. Voilà, ici, vous en avez plusieurs. Donc, disons qu'on va prendre celui avec l'effet de levier 60, qui tourne autour de 1 en ce moment. Donc, il vaut 0,89, 0,95, et vous allez afficher le carnet d'ordre. Vous voyez bien, hein, vous me confirmez, tu me confirmes aussi, Joris, tu vois bien l'écran là, hein, tu as bien le ticket. Oui, c'est tout. Ouais, ok. Donc, j'affiche le carnet d'ordre. D'ailleurs, je vais un petit peu, hop, laisser ça. Et donc, voilà, je vais pouvoir acheter, mais je vais également afficher le carnet d'ordre. Et c'est là aussi la grande différence, c'est que ces turbos, vous avez une place de marché où vous avez un carnet d'ordre bien explicite. Dedans, il y a différents types d'ordres qu'on va vous proposer. Soit le marché, on achète directement au marché. En ce moment, si j'en veux, disons 1000, eh bien, j'achète au marché, ça va me remplir mon carnet. Sinon, la limite, valable jusqu'à révocation, la limite exécution est limitée. Et éliminer ou limite valable pour la journée. Là, j'ai décidé que j'allais l'acheter maintenant, donc au marché. Je reviendrai sur le pricer tout à l'heure éventuellement, puisqu'on n'en a pas besoin pour le moment, puisque c'est le pricer nous permettra d'avoir un prix du turbo en fonction du sous-jacent. Et donc, ici, je vais mettre une quantité de 1000. Je reviens aussi sur cette petite rubrique qui s'appelle Info. Dedans, vous allez avoir le nombre de turbos minimum, le marché de référence. La devise, c'est toujours l'euro. Le prix d'exercice actuel, donc c'est 54,90. Et le multiplicateur, c'est 1 pour un pétrole. Et puis, vous avez un code ISIN. Voilà, donc le code ISIN et également comment s'appelle ce pétrole qui a été émis à 54,90. 92. Voilà, donc je l'achète. Je vais avoir mon aperçu de l'or, normalement. J'ai une valeur donc notionnelle de 1000, hein, c'est assez simple à comprendre puisque j'en ai acheté 1000 et il vaut 0,99, donc c'est ma valeur notionnelle. Et je clique sur l'aperçu d'ordre et dedans, vous allez avoir un récapitulatif de votre carnet. Alors, attendez, je vais quand même zoomer un petit peu pour que ça soit clair aussi. Donc, j'achète au marché mes 1000 contrats. Si vous voulez ne plus l'afficher, vous aurez juste à cocher la case et la commission. Il n'y en a pas, c'est zéro, pas de frais d'ouverture ou de clôture. Et je place mon ordre avec, voilà, normalement ma position se retrouve ici. Hop. Donc j'ai un peu différencié mon écran en mettant position et ordre différents en dessous. La position, c'est celle actuelle. Mon crude, donc mon WTI,
le niveau du knockout 59,90. On l'a ouvert à 1,02 et vous avez la position en ce moment voilà, qui va vivre ici. Maintenant, on a dit tout à l'heure qu'on avait peut-être un premier objectif, éventuellement viser, tu m'avais dit Joris, les 60, hein, éventuellement, sur un premier objectif. Exactement. Donc un bon ratio d'ailleurs risque-reward. Pardon ? Exactement, aux alentours des 60. Voilà. Donc maintenant, je peux placer un ordre différé, si je souhaite, pour vendre mon turbo avec cet objectif de 60. Pour savoir quel sera à peu près à titre indicatif le prix de mon turbo, eh bien, il suffit ici de me mettre donc, dans le pricer directement. Donc d'ailleurs, si je vends ici, je vais avoir la vente. Et dans mon pricer, ici, donc j'ai juste cliqué sur vente et il me met d'ailleurs automatiquement à la vente. Et je ne peux être vendeur du turbo que si je l'ai acheté, évidemment. Donc position d'ailleurs ouverte, c'est 1000. Les ordres différés, on vous rappelle que peuvent être affectés vos fonds disponibles et donc la possibilité de passer d'autres ordres de vente. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est si j'ai mon objectif qui est à 60, donc 6000, quel sera le prix estimé de mon turbo? Eh bien, vous allez l'avoir directement ici. Si j'ai un pétrole qui vaut 60, eh bien, mon turbo sera à 5338. Et on me demande même si je peux le copier. Alors, le problème de cette limite trop loin, c'est que si j'ai 5,38, donc là, je ne peux pas copier parce que, en réalité, hop, il faut que je me mette sur la limite. Je vais vous dire, il va y avoir aussi un autre problème. Alors, je pense que le système ne prendra pas en compte mes 5,33 € parce que l'ordre, la limite est trop lourde, est trop éloignée. Donc, je copie sur le ticket d'ordre 5,38, ce qui est le titre indicatif. En revanche, il y a de fortes chances qu'entre 1 € et 5,38 €, je pense que cet objectif va être trop éloigné du cours actuel. Je vais voir. Donc, je veux me mettre en limite jour, moins 1000 à 5,33 €. Et donc là, du coup, eh bien, j'aurais réalisé un gain indicatif de 4326, forcément, puisque je l'ai acheté 1,01. D'ailleurs, vous voyez, celui qu'on a actuellement est en gain. On est à 1,06, on l'a acheté 1,01. Enfin, 1,012 et il est à 1,064. Donc, je vais placer mon ordre d'attente, mon ordre différé, qui me permettra de le revendre à 5,338. Alors, voilà, ce qui me semblait, l'ordre est trop éloigné de la dernière cotation. Donc, il va falloir revoir nos prétentions. On pourra tout à fait la fermer, mais il faudra juste revoir si on veut mettre dans le limité nos prétentions. Et disons que par rapport au pricer, disons qu'on. Si on a déjà un objectif de notre turbo à 2 €, donc 2000 €, ça sera pas mal, disons. Je ne connais pas forcément la distance qui va être requise, mais je pense que déjà 2, ça va être passé. Est-ce que 3, ça passera? Ça, j'en suis pas sûr. Je repasse mon ordre. C'est encore un peu loin. Je pense que 2 sera validé pour les 1000, donc avec un gain potentiel de 988 et une vente à 2 €. Voilà, cette fois-ci, il a été mis. Il est placé, vous voyez, en attente. Et tant que eh bien, j'ai mon niveau, alors peut-être que je vais juste le modifier en mettant comme ça 2,0. Hop. À 2. Il est en attente. On est à 1,06, à 1,064. Et j'ai tout à fait la possibilité eh bien, de le supprimer également ou d'agir. Donc à tout moment, bien sûr, donc je supprime cet ordre en attente, mais voilà comment vous allez matérialiser votre objectif d'un côté dans l'ordre différé et ici avec le knockout, avec le stop. Donc vous bornez vos positions. Maintenant, si je veux moi-même gérer cette position, eh bien je supprime de toute façon l'ordre différé et je peux directement agir sur la vente. Et là, donc je vais hop, vendre directement dans le carnet à zéro, hop, où je mets au marché si je souhaite. Comme ça, je n'aurai pas de souci, sortira au prix des 1,0. De toute façon, ça sera au marché 1,064. Hop, pour 1000, normalement, je devrais être rempli à 1,064. Hop, je place l'ordre et mon gain est de 52 €. Normalement, voilà, ma position est sortie. Est-ce que c'est clair pour le passage d'or? Tout vous paraît clair? De toute façon, on va en refaire un rapidement aussi sur l'or. Mais voilà, pour le pétrole, on est sur un multiplicateur de 1. Donc en général, il n'y a pas de souci. Le pétrole est à 55,74.
On avait notre barrière, donc effectivement, hop, pendant qu'on parlait sur les 5 minutes, effectivement, on a eu cette bougie qui nous a bien aidé d'ailleurs. On va dire, voilà, qui nous. Bien évidemment, c'était une position assez rapide, mais en tous les cas, sur cette prise de position il y a quelques minutes, on a profité de cette petite bougie, voilà. Mais effectivement, c'était peut-être plus à tendance moyen terme. Voilà pour le passage d'ordre. Est-ce que tout est clair pour ce passage d'ordre sur le pétrole? Puis on va en faire un petit également sur le sur l'or. Alors je ne sais pas. Hop. Non, tout est clair. On continue, on poursuit. Alors, on va sur l'or cette fois-ci. Hop. Alors, ici, je vais fermer ce graphique. On reprend la même chose. Eh bien, parfait. Merci, monsieur Couteau. Hop. Alors, là aussi, sur l'or, eh bien, on est sur la même logique, sauf que si j'avais bien saisi. Joris, peut-être un trade un peu plus court terme par rapport à une zone C'est d'entrée ça. actuellement en court terme. J'avais noté à peu près par rapport à ta résistance oblique 1870, si on est vendeur, donc plutôt se positionner sur un stop à 1800, autour de 1870. J'avais pas Exactement. vu. Et éventuellement un objectif, premier objectif par rapport à ce que tu disais, donc. Ça dépendait où on 1810. mettait son stop, son premier stop. On va le mettre 1870 et avec un objectif à 1810. Donc déjà, si on se place short ici, donc on a un or, l'or qui est à 1834 en ce moment. Et donc avec votre niveau de knockout de désactivation, on va, alors j'ai pas forcément 70, mais j'ai soit un petit peu en dessous ou 75. Allez, on va passer sur le 65 éventuellement, puisque ce sont des niveaux qui vous sont prédéfinis en réalité. 65, voilà. Là aussi, donc j'achète toujours un turbo à la vente, je me mets au marché ou en limite. Et si je suis en revanche, donc je peux très bien me mettre aussi en limite et aller chercher sur le carnet d'ordre directement. Là, si j'en veux en général, si j'en veux 1000, donc on va me demander 3275. Pour les 1000, je serai exécuté de toute façon au marché. Après, bien évidemment, si vous ne voulez pas payer un prix, vendre sous un prix, mettre votre prix max de vente, là aussi, vous pouvez mettre votre limite jour. Vous ne voulez pas vendre sous les 330, par exemple, vous pouvez très bien le laisser en attente ou même si vous souhaitez pas payer, pas vendre sous les indices, sous les 3,10. Ah, les 3,10. Et cette fois-ci, celui-là, il sera en ordre différé. En revanche, si je veux remplir le carnet, hop, je me mets par exemple sur 3,20 et normalement, de toutes les façons, hop. Ah, pardon, tuc. 3, si je ne veux pas payer, donc plus de 3,10. De toute façon, je serai exécuté ici, sur la première ligne, normalement. Ah, pardon, voilà, en marché, et mon ordre voilà, sera passé exactement ici, directement. Donc là, on a un turbo qui vaut 3,16, 3,24, qu'on a acheté 3,24. Je vous rappelle, alors ici, le multiplicateur est un peu différent puisqu'on sera sur 0,1. Donc, si je prends la différence entre 34 et 65, effectivement, je vais avoir trentaine de points divisé par le multiplié par le, enfin, le multiplicateur de 0,1, on sera à 3. Donc, la valorisation de ce turbo, 3,20 à peu près, plus cette fameuse prime de volatilité de risque. Et là, de la même façon également, vous pourrez tout à fait. Eh bien, allez vendre votre turbo directement, soit en le vendant directement, soit en mettant avec notre pricer, effectivement, premier objectif, 1870. Pas l'air de 8.
Alors là, il n'a pas l'air de trop aimer. Forcément. On était sur, pardon, 1810. Et donc, effectivement, là, le turbo vaudra 5,69 avec un premier objectif à 1810. Sa copie, voilà, je copie sur le ticket. Donc, cette fois-ci, ordre en attente, l'objectif, effectivement, pour le sortir à 5,69, même si j'ai toujours la main sur la vente. Et ici, donc, je place mon ordre. Cette fois-ci, ça marche. Je ne suis pas trop loin. Donc, voilà, toujours mon entrée. Ici, on est un petit peu moins, voilà, un peu moins glorieux que sur le pétrole, mais on va quand même attendre que cette position éventuellement soit débouclée. En tous les cas, on va pouvoir la laisser courir. On a borné notre position. On attend donc. On a notre knockout à 1865 et puis le premier objectif qui est à 5,69. Voilà. Et puis également, vous avez un document d'information, un prospectus d'information qui vous renvoie sur Radius qui est l'émetteur de ce turbo et c'est le Spectrum qui est la place de cotation, ce qu'on appelle le MTF et qui fait la liquidité du produit, l'échange du produit et Radius c'est celui qui fait l'émission du produit. Voilà, est-ce que tant que je suis encore sur la plateforme, il y avait des questions? Des questions par rapport peut-être à des paramètres. Est-ce que tout est clair? Bon, bah écoutez, je vais terminer par une petite conclusion, notamment sur la présentation. Donc, je vous remets la présentation. Hop, tout ça. Donc, on a vu la mise en pratique, afficher le carnet d'ordre, on a vu tout ça. Les alertes, bon, ça aussi, c'est peut-être pas forcément le sujet du webinaire, mais vous avez tout à fait la possibilité de mettre des alertes directement. N'oubliez pas qu'également, tout ce qui est préférence de communication, vous retrouvez ça dans MyIG, dans les configurations. Hop. Pour ouvrir le compte Turbo, soit donc vous êtes déjà client et vous allez pouvoir ajouter votre compte ici directement via la plateforme dans MyIG, ou bien vous êtes un nouveau client, il faudra ouvrir un compte de démonstration. Et que vous aurez automatique, enfin, il faudra que lorsque vous allez ouvrir votre compte, vous aurez votre compte de démonstration, démo CFD, barrière turbo si vous souhaitez éventuellement d'abord vous entraîner, et puis après, dans le formulaire, vous aurez les types de comptes que vous souhaitez avoir. Voilà, pour conclure, je vous rappelle donc, avec les turbos, vous avez la possibilité de choisir votre niveau de knockout et de limiter votre risque. Donc, avec la désactivation de votre turbo, vous allez pouvoir profitez d'un grand contrôle de votre levier. Vous avez vu les différents leviers, niveaux de levier que vous aviez. Chose importante à dire, c'est que ces turbos se renouvellent également tout au long de la journée si les knockouts sont exécutés, sont activés. Donc, vous n'aurez en général jamais de problème, on va dire, de liquidité. Et en tous les cas, ils seront d'offres en tous les cas du produit puisque renouvelé régulièrement même si le marché est très volatile et c'est automatisé d'ailleurs du point de vue de l'émetteur. Vous allez avoir accès à un carnet d'ordre transparent et à la profondeur du marché comme on l'a vu avec le carnet d'ordre. Vous allez pouvoir bénéficier d'une cotation qui n'est pas discrétionnaire et qui est totalement transparente avec avec la place de marché. Et puis l'assurance de ne pas perdre plus que ce que la somme que vous avez investi à l'entrée de la position. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à explorer nos contenus à travers les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, la chaîne YouTube également. J'ai d'ailleurs la demande de monsieur, est-ce que cette vidéo sera disponible sur le site IG? Oui, elle sera même dans IG Academy. Je crois que si vous avez un compte de démo ou un compte réel, vous pouvez aller dans IG Academy. Je vais vous montrer d'ici quelques instants. N'oubliez pas le Market Live d'Alexandre Baradez également. Tout ce qui est articles et actualités de trading, le site aussi puisque, de Daily FX, vous allez avoir voilà, un panel d'analyse à votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans vos prises de décision. On parlait tout à l'heure, donc, monsieur, de cette vidéo normalement qui sera disponible. Je vais aller dans MyIG.
Ici, dans Académie, alors il faut de mémoire être connecté pour aller directement dans cette section de Académie. Vous allez avoir les vidéos de formation et normalement, vous retrouvez les derniers webinaires, les derniers webinaires qui ont été effectués, notamment, voilà, par exemple, on parlait des alertes CFD et Turbo ici. Voilà, les dernières présentations sont ici et normalement, je pense que celle-ci également sera disponible peut-être. Alors peut-être demain ou après-demain en tous les cas, mais vous pourrez la retrouver. Si je retourne sur notre compte, hop, ici avec ces plateformes, on va quand même voir comment se termine notre position. Eh bien écoutez, sur ce coup-là, effectivement, on est en gain. Donc là aussi, voilà, soit on laisse notre turbo vivre un peu sa vie, soit on le vend ici. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Monsieur Rudeau, c'était très très clair, j'ai l'impression. Si c'est le cas, eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Nos équipes, que ce soit nos équipes commerciales ou support client, sont à votre disposition. Merci, Monsieur Bukinx. Également, merci Monsieur Azema, merci Monsieur Cookie, merci Joris également, Bah, et merci puis à à très vous bientôt. et à très bientôt, hein. N'hésitez pas à venir me Bonne voir soirée. sur Twitter si vous voulez des renseignements ou des informations sur des graphiques, si vous souhaitez me partager des graphiques. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur ce réseau social et je répondrai bien entendu à toutes vos questions. Excellente soirée à vous et à Parfait. très bientôt. Très bonne soirée à tous, merci beaucoup.